Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir chez vous, Annie Lemoine, Sophie Garel, Stéphane Pocra, Perry Cochard, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Pierre nous disait, avant que nous prenions l'antenne, combien il était heureux de retrouver Stevie. Hein? Ah oui. C'est vrai. Surtout moi avec cette coiffure. Ah, merci. Ça fait plaisir. Ça, au moins, je vois qu'il y en a qui ne se font pas friser. Non, moi, je me fais défriser. Comme on disait à une époque, il frise à plat, Stevie. Ça s'appelle frise à plat. Hein? Voilà. Un peu comme Annie Lemoine, d'ailleurs. Voilà, regardez. C'est ça. Ça va, Josette? Pourquoi Josette? C'est son vrai prénom, elle s'appelle Josette? Je sais pas, oui, aujourd'hui, je sais pas, t'as une tête à taper Josette. Oui, toi Marcel. Et non, Stéphane, je m'interroge, vous devez vous les raser tous les combien pour arriver à ce millimétrage parfait? Ça dépend, c'est variable, une fois tous les 15 jours. Ah ouais, ouais. Mais vous faites ça vous-même à la tondeuse ou... Mais ça se voit, non? Non mais, je sais pas. Je trouve que ça donne envie de toucher. Ah oui, ah toucher, oui, voir. On dirait de la moquette. Oh, c'est mignon. Non, c'est bien. D'accord. C'est très agréable. Dites-moi, ça fait combien d'années que vous vivez dans un pays où il y a des Noirs? Ah non. C'est quand même, non, mais c'est quand même pas nouveau. C'est un drame. Mais non, mais on a envie de toucher. Mais c'est pas. Non. Mais moi, j'ai envie de t'embrasser depuis des années. Je ne l'ai jamais fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Stéphane. C'est idiot ce que vous dites. Oui, enfin, vous dites que vous avez envie de l'embrasser. Vous vivez dans un pays où il y a combien d'années que vous n'avez pas vu d'imbécile? Non, de femme. Alors, on va passer tout de suite à la photo du jour. Et cette photo, c'est en fait la une du magazine Elle, Vanessa Paradis. Cette semaine, elle pose donc pour ce magazine. Elle est aussi à l'affiche d'un film qui s'appelle Mon Ange, qui sortira le 19 janvier prochain. Elle est très jolie sur cette photo, Vanessa. Mais alors, regardez bien, ce qui est assez embêtant, c'est ce qu'il y a écrit en haut du magazine. Regardez, après le lifting, le botox, la nouvelle technique qui repulpe le visage. Et ils foutent Vanessa Paradis en une. Mais franchement, c'est à sa place, je gueulerais. C'est pas sympathique, non? Ah ouais, c'est maladroit. Non. Oui, c'est vrai, c'est pas très adroit. Mais à côté de ça, qui vous dit qu'elle ne sait pas... Oh non. Oh non. Hey. Mais non. Oh. Ce serait Catherine Deneuve. Oui, ça serait... plus délicat. Ah, ils t'ont tendu la perche, tu l'as prise, hein. Il n'y a pas de problème. Oh, voilà qui regrette de ne pas avoir été invité par Khalifa TV. Hein. Il lui en veut des 50 000 euros, Stevie. Non, écoutez, franchement, moi, je trouve que c'est maladroit. Oui. Voilà. Si on mettait un bébé avec le drame de la vieillesse, personne ne trouverait que c'est méchant pour le bébé. Voilà. Bon, or, elle est tellement jeune qu'il est bien évident que le Botox n'a pas mis son pied là-dedans. Mais vous trompez, parce qu'il y a des tas d'articles cette semaine. Oui, c'est justement le salon de la chirurgie esthétique qui démarre ce week-end. Vous trompez. Tous les articles en ce moment nous disent que plus ça va, plus les adolescentes ont recours elles-mêmes à la chirurgie esthétique. À 15 ans, on ne lit pas elles, on les mutine. Ça, c'est... Mais non, mais à 15 ans, on les mutine. Elle, c'est pour les femmes de 30 à 50 ans. Non, mais c'est vrai. Tu es abonné à Mutine? Pardon? Tu es abonné à Mutine ou pas? Non. Non, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, il faut se méfier de la chirurgie esthétique, du pulping, du remodelage, du botox. Il y a des pays où on fait ça très bien, mais il y a des pays, regardez, où ça marche beaucoup moins bien quand même. Oh. Il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec Delise dans France Soir qui nous annonce ce qui va changer en 2005. Regardez, en 2005, le divorce sera beaucoup plus facile. Vous le savez, on voit Sarkozy et Chirac qui n'ont chic alors, ça tombe bien. Et oui, l'ambiance entre les deux hommes est toujours aussi tendue. D'ailleurs, dans le Canard enchaîné, Cabu nous croque le président présentant ses vœux à Nicolas Sarkozy. Pour 2005, monsieur Sarkozy dit Chirac, je vous souhaite tout ce que vous pouvez me souhaiter. Ne commençons pas l'année par des vacheries, lui répond Sarko. À la une de Charlie, T-News nous offre ce dessin à propos, vous savez, des 3 minutes de silence en hommage à la catastrophe de l'Asie du Sud-Est cette semaine, et on voit Sarkozy qui dit 3 minutes de silence, j'arriverai jamais à tenir. Qu'est-ce
Sia. Non, c'est dur parce que moi j'aurais bien voulu la faire, mais on est chez soi, comme ça, il y a les chiens qui ont envie de sortir, t'es en train de faire la vaisselle, t'arrives. Mais non, mais c'est vrai en plus, t'arrives, tu sais, t'es pas forcément en train de regarder l'horloge et là t'allumes les infos. Oui. Ce matin c'était la minute de silence, ah bah merde, on l'a raté. Mais c'est pas grave, je prie en tout cas. Non, mais c'était étonnant. Ah, bah ça c'est très bien. Je passe plus d'une minute. C'est étonnant d'une grande figure de l'humanitaire comme ça. Bah, en tout cas, le raz-de-marée en Asie du Sud-Est n'a pas fait reculer les dessinateurs. C'est leur boulot de faire rire, même avec les catastrophes. Et dans le Canard enchaîné, Pétillon nous illustre une partie de poker humanitaire, comme il l'appelle. On voit Chirac et Bush, et Bush qui fait « J'ajoute 300 millions de dollars, plus un porte-avions ». Voilà. Hein. Toujours dans Charlie, T-News nous prévient. Attention, après l'Asie, une autre vague s'abat sur l'Afrique. Et il dessine évidemment le Paris-Dakar. Tellement de rire sur ce genre de drame. Si. Tout le temps. N'importe quelle catastrophe, il y a toujours eu des dessins et des blagues. Attends, d'abord, ça permet un peu de il faut que ce soit formidable. D'évacuer le... Pour le World Trade Center, il y en a eu des kilos. On n'a pas arrêté de faire des plaisanteries. Toujours, toujours, toujours. Enfin, il y en a qui sont plus... Regardez la preuve qu'on a l'habitude de plaisanter sur les catastrophes. Combien de fois on vous charrie. Cardon s'interroge. Les éléphants du Parti Socialiste avaient-ils senti le tsunami? On voit François Hollande qui dit « Oh oui, ça fait un moment qu'ils sont nerveux. » Ça passe mieux, ça. Le Fred Touron, toujours dans le Canard enchaîné, s'est intéressé à la répartition de l'aide humanitaire. C'est un très beau dessin où on voit là des membres d'une ONG qui dit « Non, non, pas celui-là, il n'est pas prioritaire, il était déjà pauvre avant la catastrophe. » Ça, c'est un bon dessin. Et dans le même genre, pour terminer avec le tsunami, Babouze dans l'Humanité, où on voit quelqu'un qui dit « Rassurez-vous, on va tout vous reconstruire exactement comme c'était avant. » Et les gens là-bas qui font « Oh, merde !» Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. La bonne nouvelle de fin d'année, c'est quand même la libération des otages Christian Chesneau et Georges Malbruno, qui a été, c'est vrai, occulté par cette catastrophe, mais les dessinateurs quand même se sont inspirés par cette libération d'otages. On voit Chesneau et Malbruno en train de fêter Noël à la maison. Ils disent « Ah non, on en a marre des barbus !» Dans le Canard enchaîné, Pétillon nous rappelle que c'est Jean-Pierre Raffarin qui a accueilli les otages à l'aéroport. Et on voit les otages qui disent à Raffarin « Ah bon, vous êtes encore Premier ministre ?» La réforme du nom de famille n'est pas claire pour tout le monde. Vous savez que depuis le 1er janvier, on peut accoler... Enfin, c'est très compliqué. Même le pape Jean-Paul II, d'après Wozniak, n'a rien compris. Il dit « nom de famille comprend qui peut ». Et on voit le pape qui dit « au nom du père ou de la mère, ou de la mère et du père, ou du père et de la mère, et du fils et du Saint-Esprit. Amen ». On termine avec Rançon, toujours dans Le Parisien, qui nous signe ce dessin à propos du fait que les Français, vous le savez, vont devoir désigner un seul médecin généraliste pour la sécurité sociale. Et on voit deux dames, il y en a une qui s'interroge, qui dit « Mais comment choisir un bon généraliste si on doit le garder toute sa vie ?» Et l'autre qui dit « Bah, peut-être qu'on pourrait consulter un spécialiste. » Sophie, vous devez être heureuse, puisque cette semaine, nous vous avons confié la lecture d'un livre sulfureux qui fait l'objet d'une petite polémique actuellement, en tout cas depuis sa sortie en tout début de semaine. Ce livre paru chez Grasset s'intitule « L'amour du prochain » et c'est le nouvel ouvrage signé Pascal Bruckner, un écrivain que vous connaissez sûrement. Il a reçu entre autres le prix Renaudot avec « Les voleurs de beauté » et le prix Médicis pour « La tentation de l'innocence ». On va accueillir tout de suite son auteur. Voici Pascal Bruckner. Bonsoir, bienvenue. C'est sûr que quand vous avez commencé à réfléchir et à écrire à ce nouveau roman, vous deviez savoir que déjà vous alliez peut-être faire bondir certains critiques, certains lecteurs et en tout cas faire réagir. Mais c'est vrai que le sujet de la prostitution est un sujet qui reste tabou. On a tout libéré. Mais ce domaine-là, il est encore intouchable à droite et à gauche. Et là, c'est un homme qui se prostitue, mais Sophie Garel va nous raconter ça mieux que moi.
Enfin, je vais essayer. L'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui a tout pour lui. Il a été extrêmement aimé par ses parents. Il a tout pour lui, le genre de garçon qu'on aimerait présenter à sa famille. Enfin, vraiment, tout pour lui. Propre sur lui, impeccable. Parents, famille, etc. Puis un jour, il est à la terrasse du Café de la Paix à Paris. Et puis, il y a une dame, je dirais pas, j'ai une dame de mon âge, un petit peu mûre, et qui, une femme charmante, sans aucun doute, et qui lui fait un petit rentre-dedans et qui lui dit, vous allez me suivre à l'hôtel. Et lui, il dit, comment, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, je vais vous payer pour une petite activité sexuelle, vite fait, comme ça. Lui, il ne comprend pas. Puis, finalement, assez curieux, il se laisse aller et il suit la dame. Il est un petit peu choqué au départ, un petit peu bon chic, bon genre, quand même. Hein, il a le costume croisé avec lui. Et la fille, elle en croque. Et à la fin, elle dit, maintenant, dehors, papiche, voilà vos 100 balles et vous partez. Et ça, c'est le début du livre. Oui. Ne racontez pas tout, quand même. Ouh là là, c'est le début. Et puis, il y a un grand passage qu'on va pouvoir sauter, parce qu'il est question de sauter beaucoup là-dedans. Oui. Et puis, il y retourne. Et puis, de sexe en sexe, de bouche à oreille ou de bouche là où vous voulez, parce que tous les corps sont mélangés. Finalement, il commence à avoir des gens, des femmes qui le réclament, et des grosses et des maigres. Il y a un carnet d'adresses. Ben, il se fait payer, il se double son salaire. Impeccable, bonjour la vie. Ça dure pendant près de 10 ans. Mais au milieu de ces 10 ans, il rencontre une nénette. Et celle-là, tout d'un coup, il tombe amoureux d'elle. Alors là, ça change tout à fait les choses. Donc elle va mais le larguer. Vous, comment vous avez trouvé ça? Attends, que je te raconte l'histoire, que tu me donnes toi-même ton sentiment. Mais non, raconte pas parce que là. Mais non, je raconte pas tout. La femme va le larguer, il va perdre ses enfants, sa situation, et même la femme dont il est amoureux. Le début est joyeux, on se dit mais où ça va nous mener, où ça va nous mener. Et puis il y a un moment où c'est trop glauque, où c'est trop sulfureux, où on se dit l'amour du prochain, c'est ça. Le don de soi, c'est donner sa petite zigounette et d'aimer tout le monde. Enfin, pas donner, la vendre quand même. À un moment donné, il la vend plus. Donne à tout le monde et allons-y les ménagères, allons-y. On distribue et le sperme est sacré, ça devient encore. On commence à avoir l'analyse, ça a un goût de girolle avec un petit fond de. On sait tout, surtout la fille estime que sur notre jambe c'est la maison de Dieu et c'est religieux et il faut aimer les vieux, il faut aimer les sales, il faut aimer les SDF et allons-y qu'on se grimpe dessus. Et c'est tout est dans le titre de son bouquin. La prostitution c'est en fait la charité chrétienne. Mais vous me dites pas si vous avez aimé ou pas. Ah non, je vous dis, j'ai aimé le début, j'ai aimé la fin, mais au milieu, j'ai eu des nausées. C'est vraiment à la limite de supportable. Réaction de Pascal Bruckner. Ah ben c'est tout à fait volontaire, je suis ravi de votre réaction. L'idée qui est sous-jacente, c'est qu'effectivement, peu à peu, la prostitution va devenir pour lui un équivalent de la charité. Une sorte de nouvel évangile. Il se fait payer ou il le fait gratuitement? Bien sûr, il se fait payer. Mais oui, attendez, c'est de la charité alors. Attendez, même si on se fait payer, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas avec... À l'église, tu fais la quête, hein? C'est pareil. Pierre. Vous revenez sur le lieu commun, le plus vieux et le plus faux du monde, à savoir sur la prostituée au grand cœur. Vous prenez comme personnage non pas une prostituée, mais un prostitué. C'est un vieux fantasme féminin de vieille dame que le prostitué pour homme existe. Là est le prostitué. Le prostitué pour femme n'existe pas. Ou si peu que rien. Mais attends Pierre, il y a des agences qui ont pignon sur rue dans Paris. Deuxième chose. Non mais attendez, Pierre dit bien qu'il y a des prostituées. Je sais pas si vous avez bien écouté ce qu'a dit très Pierre. Bien écouté. Pierre dit bien qu'il existe des prostituées hommes pour hommes. Ça, il y en a, on le sait. Oui. Mais il dit qu'il existe beaucoup moins, voire très peu, de prostituées hommes pour femmes. Faux. Ah bon? Faux. Oui, faux, parce qu'il existe... Écoutez, je ne veux parler qu'avec des gens qui connaissent un peu la question. Eh bien, je vais te donner l'adresse tout à l'heure en sortant. Je suis désolée. Allô, chérie? Non, chérie, est-ce que tu peux éloigner les enfants du poste? Merci. Il existe, bien sûr. Alors là, je trouve que c'est totalement irréel et à côté de la... Oui, mais c'est ça, un roman. Moi, justement, c'est pas une démonstration. Vous pouvez pas dire sérieusement qu'il n'y a pas de thèse dans votre livre. Parce que dans les interviews, vous dites, à gauche, on est contre la prostitution parce que c'est de l'esclavage. Eh bien, je pense qu'on a raison. Effectivement, et vous dites, à droite, on est contre la prostitution pour des questions de moralité. Eh bien, bizarrement, là encore, j'estime qu'on a raison. Donc, quelle est la thèse de votre livre? Alors, mon livre raconte une histoire. Maintenant, si vous voulez savoir l'idée que j'ai, moi, sur ce sujet, c'est que je ne suis pas abolitionniste. Et je pense que dans ce débat, il y a une grande absente, c'est la prostituée elle-même. On pense que les prostituées sont soit des enfants, soit des esclaves, et en d'autres termes, que ce ne sont pas des êtres libres. Mais moi, je pense que comme en Allemagne et comme en Hollande, on devrait libéraliser la prostitution, leur donner des droits, leur accorder la sécurité sociale et en faire un métier comme les autres. Pour le plus grand bien et la plus grande gloire des patrons de boxons. Voilà ce qu'il faut savoir. Et attendez quand même, Pierre Bénichoux, je voudrais vous dire que le journal dans lequel nous écrivons tous les deux a vécu pendant des années des petites annonces de prostitution. Non, c'est faux. Ah bah si, je suis désolé, même aujourd'hui, il y a quand même ça. Donc... Quel bordel. Il ne faut pas... C'est totalement faux. Non, c'est pas faux. Non, non, non. non.
La main droite ne doit pas ignorer ce que fait la main gauche. C'est totalement faux, et si ça avait été cela, vous auriez anticipé ce qui va arriver, c'est-à-dire que vous n'y travaillez plus. Non, ah non, mais moi ça ne me dérange pas, mais à condition qu'on reconnaisse les faits. Mais non, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est vraiment un livre sur la prostitution? Est-ce que c'est pas plutôt l'histoire d'un individu, un seul, qui bascule dans quelque chose parce qu'il a... Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui bascule effectivement dans une vocation et qui est attiré peu à peu par les choses, par le bonheur dans l'avilissement. Mais en même temps, tout cela est vécu avec allégresse, avec enthousiasme. Et c'est pour ça que j'ai fait un happy end, parce que contrairement au discours moralisateur que j'entends là... Personne n'est moins moralisateur que moi. Il y a beaucoup plus de prostitution dans la vie quotidienne qu'on ne croit, et beaucoup moins de vénalité dans le rapport dans les passes. La plus grande prostituée, c'est la femme mariée, vous allez nous dire... Pas seulement la femme mariée, mais dans les entreprises. Ce genre de lieu commun, écoutez, on ne fait pas les études que vous avez faites, et on ne travaille pas dans les journaux où vous avez travaillé. Il n'a rien. Où vous travailliez pour dire... Je suis vidé depuis 5 minutes, oui. Pour avoir révélé une vérité. Vous avez passé des petites annonces, mais pas sexuelles. Hein. C'est pour retrouver un autre journal. Moi, il y a une question qui m'intéresse dans tout ça. Dans l'amour du prochain, il y a l'amour. Mais alors l'amour? Il est où? Non, parce que vous avez une définition restrictive de l'amour, justement. Là, il prodigue de la bonté à toutes ces femmes. Un amour qui se porte sur des multitudes. Quand Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle dit à tout le monde « Je vous aime », elles sont dans l'amour de charité. Vous êtes en train de parler d'amour, et en lisant la bio hier soir, il y a une phrase qui m'a... C'était dans le... Alors, interpellé. Les voleurs des beautés. De beauté. C'est une phrase que j'ai retenue comme ça hier. C'est le miracle de l'amour, c'est les personnes qui resserrent le monde autour... attends, faut que je la retrouve cette phrase-là parce qu'elle est vraiment belle. Et j'y ai réfléchi et c'est exactement ça l'amour. Attendez, le miracle de l'amour, c'est... je l'ai lu hier dans la bio, merde. Bon bah écoutez, recherchez, revenez la semaine prochaine. Non, ça y est, je l'ai. Le miracle de l'amour, c'est de resserrer le monde autour d'un être qui vous enchante. Et l'horreur de l'amour, c'est de resserrer le monde autour d'un être qui vous enchaîne. Mais c'est exactement ça. Oui, mais je crois qu'il y a plusieurs formes d'amour. J'ai trouvé cette phrase géniale. Et mon personnage pratique à sa manière une certaine forme d'amour. À certains égards, les prostituées rendent des services innombrables à la nation et qu'on devrait les décorer au même titre que les agents. Mais ça, c'est le langage de 1850. Non, mais c'est pas 1850, c'est la vérité. Mais ça, c'est terrible de ça. Vous savez très bien, pour le répéter, parce qu'ils l'ont déjà dit en face, mais c'est important que ces filles-là, effectivement, n'ont pas leur autonomie. Elle leur est arrivée quelque chose. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'elles ont eu des drames. C'est vraiment le bordel. Parce qu'elles ont été violées, etc. Sans déconner. Écoute, moi j'en connais une prostituée, je peux dire qu'elle, elle est heureuse. Non, mais... Elle prend son pied et en plus elle prend du pognon. Non mais enfin. C'est vrai. Je suis curieux. Vous éloignez totalement du bouquin, là. Justement, je vais y revenir. Ce n'est pas le bouquin. Le bouquin, c'est un mec qui a pété les plombs et qui s'est lancé dans une quête mystique en donnant de l'amour à l'autre. Votre débat sur la prostitution, c'est un petit peu... Vous débordez, c'est un débat sempiternel qu'on connaît par cœur, ça va. Mais là, ce n'est pas le sujet du bouquin de Bruckner. Mais on peut prendre un sujet, puis... Alors, on parle d'autre chose, on n'invite pas Bruckner, on n'invite pas. La pomme de terre et prostitution. Alors, restons sur le même trottoir pour l'instant. Oui. En général, on va dire que les intellos raffinent sur la question du sexe. J'ai connu un plombier. Non, mais lui, c'est un intello. Je ne te parle pas de ton plombier, je te parle de lui. Lui étant intello, je considère qu'il peut raffiner sur la question du sexe. Ça veut dire raffiner sur la question du sexe? Raffiner, ça veut dire s'interroger d'une manière... Bah, la preuve, il pond un bouquin de je ne sais combien de pages sur ce sujet-là. Bon, je voulais savoir si tu n'étais pas auteur, si tu faisais un autre métier, etc., est-ce que tu penses que tu pourrais un jour, ou tu aurais pu, être dans la peau de cet homme? Ah oui, tout à fait. Maintenant tout de suite ce soir, mais je sais pas, le week-end prochain. Oui, enfin, disons que là, j'ai quand même un peu passé la limite d'âge, parce qu'il faut, quand même... Il faut avoir du matériel. Il faut assurer, mais Sur TF1, ils ont une émission qui s'appelle « Vie ma vie » et ils cherchent des clients. Oui. Donc, on dit toujours que c'est un fantasme des femmes, mais non, les hommes ont le même. J'ai jamais pensé à ça. Non, mais il y a de plus en plus d'hommes qui rêvent de faire ça. Regardez les joueurs du PSG, ils aimeraient bien arriver à aligner 3 passes. Ça s'appelle L'amour du prochain, c'est chez Grasset, c'est signé Pascal Bruckner, vous l'aurez compris, merci. Merci. Les sacs plastiques.
Oui, vous avez bien entendu, les sacs plastiques sont une véritable plaie pour l'écologie. Chaque année, 13 milliards de sacs sont distribués aux caisses des supermarchés, soit 85 000 tonnes de déchets. Et malgré un effort conséquent de certaines grandes surfaces, le problème est loin d'être résolu. La prolifération des sacs engendre une pollution importante et décime la faune aquatique qui s'étouffe avec, on vous racontera tout à l'heure. Pensant que ce sont des méduses, et évidemment, peut-être que les dauphins, les requins et autres sautent sur les sacs plastiques. Bon, enfin bon, je pense qu'il y a une explication plus écologique et plus scientifique à cela. Pas du tout. C'est vrai, c'est ça. Ah, ouais. Absolument. Bien sûr. Même quand je jette un sac à plastique par ma fenêtre chez moi, il y a un dauphin en bas bien qui peut l'attraper. Les poissons. Non, il y a une morue parfois qui passe. Je sens que ça va être un débat difficile parce que je vois déjà là, les écolos contre les anti-écolos. Enfin, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus de sacs en plastique du tout. C'est ça, un peu craint. C'est ça. Bon. En même temps, il faut mettre alors son caddie dans le coffre de la voiture et ça n'est pas très pratique. Pour parler de ce sujet, voici une écologiste chargée de mission à France Nature Environnement. Elle milite pour des sacs non pas biodégradables, mais réutilisables. Ce n'est pas la même chose, elle va nous l'expliquer. Voici Nathalie Villermé. Bonjour madame, bienvenue. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui touche tout le monde parce que des sacs en plastique, voilà, on en a tous les jours hein, quand on va aux caisses des supermarchés. Mais je n'arrive pas à bien faire la différence entre les sacs biodégradables que certains supermarchés distribuent déjà et les sacs réutilisables dont vous parlez. Oui, les sacs biodégradables ne répondent pas vraiment à ce problème des sacs plastiques. De ces sacs jetables, parce que quand on va faire ses courses, on prend ces sacs, on les jette tout de suite après. Mais c'est pas grave puisqu'ils sont biodégradables. Oui, mais avec le biodégradable, les impacts ne sont pas résolus. Parce qu'on a toujours des impacts par rapport à la fabrication de ces sacs. Vous avez amené votre porte-monnaie, vous avez peur qu'on vous pique votre argent dans la loge. Non, j'imagine que ce sont des petits sacs, ça, non? Voilà, justement, c'est un sac réutilisable, un peu pour montrer la différence, même avec les sacs biodégradables qui ont une durée de vie très très courte. Là, moi, je l'ai toujours avec moi dans mon sac à main en permanence. Moi, je ne mets pas tout ce que j'achète au supermarché. Mais ça, c'est vraiment pour le côté un peu urbain quand on va faire ses courses de temps en temps. Au supermarché, je vous jure. Moi, pardon de vous dire ça, je vais vous choquer, mais à la caisse, j'en prends, il m'en faut bien 10 ou 15 des sacs. Et moi, j'en vole même parfois parce que je m'en sers en sac poubelle. Mais oui, mais moi aussi, évidemment. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu ne prends pas des cartons? Parce que si tu sors avec 10 sacs, tu as forcément un véhicule ou quelqu'un qui t'aide à les trimballer. Tu ne prends pas le métro avec tes 10 sacs. Tu as forcément un domestique qui t'aide, enfin. Oui, absolument. Et pourquoi tu te fais pas livrer? Mais ça fait longtemps. Franchement, mademoiselle. Et pourquoi tu te fais pas livrer? Attendez là, mademoiselle, je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse pour les écolos, j'aime beaucoup Stéphane, mais franchement, je me vois pas. Ah, franchement. Ça tirait pas sans soutien-gorge, je ne ferais pas. Franchement. Donc vous êtes charmante, vous êtes tout ce que vous voulez, mais je dis non. Non, non, franchement, je me vois pas avec ça. Non, franchement, tout ce que vous voulez, mais pas ça. Exactement, et franchement, moi j'ai beaucoup de. Quand je vais voir les commerçants et que j'ai mon sac, ils sont très contents. Naufrage, éventuellement, mais. Mais non, parce que je vais une fois par mois ou une fois tous les 15 jours au supermarché, je vais pas toutes les semaines, et quand j'y vais, je fais tout en gros, pardon, mais deux ou trois mêmes post-it sacs comme ça, ça ne me suffira pas. Faites-moi livrer dans ces cas-là. Il y a des grands sacs. Quoi? Tous les supermarchés livrent aujourd'hui pour les très grosses quantités. Madame, j'ai la fierté de porter mes sacs. Mais non, monsieur. Non, pas du tout, monsieur. Si vous vous faites livrer, vous créez des emplois. C'est vraiment bien. Bien, parce que moi j'ai passé mes vacances en Corse l'été dernier, et là-bas il n'y a pas de sac plastique. Je préférais qu'ils utilisent le plastique dans les sacs que dans autre chose, les Corses, croyez-moi. Non, mais est-ce qu'on est diffusé en Asie? Parce que je voudrais savoir si les survivants de Thaïlande et du Sri Lanka sont passionnés par nos problèmes de sacs en plastique. Mais tu peux dire n'importe quoi, Pierre, mais alors là, c'est un très très bon exemple, extrêmement démago, comme tu sais bien faire. Là, excuse-moi, c'est vraiment le truc le plus con. Parce que précisément, les gens des pays pauvres, ils sont extrêmement concernés par notre mode de consommation, notre mode de production qui fait qu'en gros, sur une moitié de la planète, on bouffe, on surconsomme et on pollue. Et sur l'autre moitié de la planète, on crève, on n'a pas d'argent et on a les catastrophes écologiques. Donc, oui, je pense que ça les intéresse. Mais on ne voit pas du tout en fait. Écoutez, on a Thierry Marquet qui est allé lui tester justement vos sacs parce que vous dites que manifestement il ne faut pas utiliser des sacs biodégradables, il faut des sacs réutilisables. Alors il a testé pour nous, imposé le sac réutilisable. Regardez la caméra cachée de Thierry Marquet réalisée par Julien Héron.
Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé imposer les sacs réutilisables. Luttons contre la pollution des sacs. Ça sent bon. Bonjour. En fait, on est une association écologique qui s'appelle EcoSac. Et on voulait voir ce que vous aviez comme sac. Et là, sur l'instant, on a des sacs plastiques. C'est le seul sac que vous ayez ? Ouais. On a eu des sacs en papier, mais on s'est rendu compte à la destruction que c'était polluant. Donc on, on est repassé au plastique en attendant de trouver une meilleure option. Bah oui, parce que nous, en fait, ce qu'on vous propose, c'est des sacs qui ont été déjà utilisés par des gens. Ouais. Et il faudrait que vos clients ramènent à chaque fois le sac qu'ils utilisent. D'accord, mais ça, ça se décide en... Je ne peux rien décider pour eux, hélas. C'est à vos clients déjà d'arrêter de prendre ces sacs plastiques qui ne sont même pas biodégradables. Je suis complètement d'accord, mais... Vous allez acheter ça ? Je vais acheter ça, ouais. D'accord. Donc il faudrait les prendre à la main, parce que nous, on va supprimer déjà tous ces sacs-là. Je peux pas vous laisser faire ça, là. Je vais avoir des problèmes, vous comprenez, ça. Ah oui, non, mais bon, nous, c'est notre association. Oui, c'est votre association, mais je comprends votre idée, mais là, vous êtes en train de me forcer la main, monsieur. On enlève le plastique, ok, ça, nous sommes tout à fait conscients que c'est un peu leurre, mais alors qu'il y ait des sacs non en plastique, en maïs, qui puissent être là, pour remplacer, que les gens puissent même acheter leurs sacs. Qu'est-ce que vous dites, madame ? Non, mais j'aimerais régler, moi, je suis pressée, monsieur. Vous allez prendre ça à la main ? Écoutez, je fais ce que je veux. Parce que les sacs ne sont pas biodégradables. Mais je m'en fous, j'en ai rien à cirer, moi, des sacs. Il y a des choses plus graves que des sacs biodégradables dans la vie, je vous assure. Luttons contre la pollution des sacs. Luttons contre la pollution des sacs. Bonjour. On va passer ici, si vous voulez bien. On a vu que vos sacs n'étaient pas biodégradables. D'accord, je ne le savais pas. Donc vous me l'apprenez. Ça, c'est une source de pollution. D'accord. Quoi. C'est embêtant. Qu'est-ce que je peux faire concrètement ? On voulait vous proposer des sacs qui ont déjà été utilisés par des gens. Oui, mais... Alors, dites-moi. Je comprends votre démarche, oui. Elle est bien. Par contre, ce que je peux faire pour ça, je ne peux rien faire. Non, parce nous on va vous les confisquer, nous. Non, vous pouvez pas. On les confisque. Nous les confisquons. Écoutez, vous écoute, je suis plutôt calme, alors écoutez-moi. On a des trentaines de boîtes ici, je vais pas vous donner toutes mes boîtes, on les paie. Mais si, vous avez 30 boîtes en plus. On veut les 30 boîtes. On va aller dehors trouver un commun accord ensemble, vous voulez. Vous pouvez prendre ça alors. Je vais prendre ça et le distribuer à mes clients. D'accord. Pour mes prochaines locations. Moi, je les utilise, promis. Non, mais donnez-nous des sacs jaunes, au moins 2-3. Non. Parce que là, j'en ai qu'un. Vous en avez un, c'est déjà très bien. Dans cette caméra cachée, Thierry Marquet. Thierry Marquet s'est vu répondre par une cliente. Je suis même d'accord pour des sacs en maïs. C'est bien ça, les sacs en maïs ? Non plus, parce qu'on a toujours ce geste de je prends le sac, je le jette après. Et en plus, les sacs en maïs ont des impacts importants parce que c'est du maïs. Donc ça aura toujours des impacts quand on les fabriquera. Peut-être même que grâce aux manipulations génétiques, on aura peut-être bientôt des champs de maïs, de sacs de maïs qui pousseront directement du sol. Vive les champs de maïs en sacs transgéniques qui pousseraient. Ça, c'est la société moderne. Vous n'êtes pas loin de me faire basculer votre camp. Je vais vous dire, je crois que l'écologie est vraiment la philosophie de l'avenir et que c'est une chose formidable et qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et tout. Mais je crois que quand on Je le prends franchement. C'est exactement, il se passe ce qui s'est passé pour l'homosexualité. L'homosexualité doit être défendue, les droits des homosexuels. Quand on fait des mariages grotesques, on va contre la cause. Quand on passe pendant des heures à parler des sacs plastiques, je trouve que ça rendrait anti-écologiste le plus vert des verts. Voilà. Stéphane, je voulais pas qu'on se marie. Hein. Oui, c'est ça. Bon, je crois qu'on a bien compris. On va essayer de faire des efforts. En tout cas, c'est pas à nous d'en faire. Hein. C'est surtout au supermarché, aux distributeurs. Au pouvoir public et aux consommateurs. C'est à tout le monde d'en faire. Vous viendriez pas avec moi, avec votre petit sac jaune, comme ça, on achèterait des trucs de conneries. Et je verrais bien ta femme avec un sac comme ça. Écoute, moi, je te parle pas de ton mari, alors laisse-moi tranquille. Il était en train d'essayer d'emballer madame, vous lui parlez de sa femme. Non, on n'emballe plus. L'emballage est super fini. Madame est déjà contre les grands distributeurs, elle va pas repartir avec mammouth en plus. Tu parles, tu parlais du lion qui te fait face. Allez, vous êtes très aimable, très courageuse à chaque fois, mais Stéphane est là pour vous soutenir. Et moi aussi un petit peu, croyez-moi, je suis sûr qu'on va y venir, qu'on va y arriver. On va s'en passer de ces foutus sacs, mais c'est pas facile. Mais c'est pour nous. Il faut que je me sente corse, c'est ça, mais je vais y arriver. Nathalie Villermé, on vous remercie. Merci. Depuis quelques temps,
Les blogs fleurissent sur le web. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas, un blog, c'est une sorte de journal intime en ligne sur lequel s'expriment des internautes sur tous les sujets. On y aborde effectivement n'importe quoi. C'est un phénomène de société puisqu'on estime le nombre de blogs à 1,5 million en France. Mais là où ça devient vraiment un phénomène intéressant, c'est que même certains hommes politiques ont leur blog. Oui, il y a une multiplication des blogs politiques. Dominique Strauss-Kahn, Alcien, Julien Drey et même Alain Juppé, qui n'a pourtant pas la réputation d'être un blogueur fou. Pour parler de ces blogs politiques, nous allons tester ensemble un adepte. Il a son blog, il est député de l'Essonne et porte-parole du Parti Socialiste. Voici Julien Drey. Bonsoir Julien Drey. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être commencer par bien expliquer ce que c'est qu'un blog. Alors c'est sûr que pour ceux qui peut-être n'ont jamais touché un ordinateur, mais ils sont de moins en moins nombreux, heureusement, ou à Internet, c'est pas facile de faire comprendre, mais c'est une sorte de journal intime sur ordinateur qu'on peut mettre à disposition de qui veut. Oui, en fait c'est un mini-site Internet sur un grand site Internet. Est-ce que c'est un dialogue ? Oui, c'est un dialogue permanent. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui peut s'étaler pendant des jours et des jours. Donc on peut laisser des messages, on peut répondre tout de suite. Donc c'est quelque chose qui est à livre ouvert. Donc les hommes politiques, et vous en faites partie, Julien Drey, considèrent que c'est une occasion de parler un peu plus aux électeurs ? C'est d'abord la possibilité d'avoir un dialogue, et un dialogue qui, pour une fois, est horizontal, puisque tout le monde est à égalité. Chacun peut se lire ce que l'autre a dit, peut intervenir dans la discussion, et donc c'est très interactif. Donc l'intérêt, je pense, dans les années à venir, c'est que ça va être un élément de démocratie directe très important, parce que imaginons une municipalité qui a des problèmes par exemple, de circulation, elle peut très bien demander à ses habitants de réagir à travers ses blogs. C'est-à-dire, au lieu de faire sans arrêt des réunions dans lesquelles on voit toujours les mêmes, on peut avoir plus grand champ d'intervenants. À une condition, c'est que ce qui est dans le blog soit intéressant. Je sais pas, j'ai vu par exemple le blog d'Alain Juppé quand il dit « Ah, ce soir, je retrouve ma femme. Ah, tiens, j'ai croisé un camion, c'est écrit « poulet à transporter ». Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut réagir à ça ? C'est-à-dire, celui d'Alain Juppé a une particularité, c'est que c'est son journal personnel, donc il livre des sentiments. Ouais. Celui de Dominique Strauss-Kahn, que vous avez cité, est plus politique, c'est-à-dire il met à la disposition des internautes ses prises de position politique. Est-ce que c'est vraiment, alors Alain Juppé, oublions-le, Dominique Strauss-Kahn et vous, qui répondez, qui dialoguez et qui lisez les messages que vous envoie, parce que effectivement, si ça revient à avoir une secrétaire qui répond à un courrier, c'est 30 000 messages, a priori. Non, pas 30 000 messages, 30 000 visites, c'est pas pareil. Dans mon cas particulier, c'était obligatoire de lire, parce que je veux dire, ça engageait, c'est des prises de position. Donc il y a un dialogue, vous ne pouvez pas laisser faire n'importe quoi, puisqu'on a discuté de beaucoup de choses, des relations entre les garçons et les filles, la situation dans les cités, la situation internationale, du tsunami en ce moment. Il y avait une obligation de lire les messages et de répondre. Ce qui ne veut pas dire qu'on répond à tous les messages. Bon, ce qui veut dire aussi qu'il peut y avoir de la perturbation, des gens qui viennent chahuter, qui viennent faire des blagues et des choses comme ça. Donc, oui, vous répondez aux messages qui vous intéressent. Voilà, on choisit. Vous parlez quand même vachement jeune. Je suis parti faire un tour là. C'est, mais il a été jeune, Julien Drey. C'est rare, parce que maintenant la mode, c'est bon, les raccourcis, MDR pour mort de rire, ou même les petits personnages, on fait toujours des PS petits yeux qui des clins d'œil, et il connaît tout ce vocabulaire, donc c'est étonnant. Enfin, jamais j'aurais pu penser un jour avoir un homme politique qui dit « Moi j'ai 49 ans avec un petit œil qui fait comme ça, ça. » Si, Le Pen peut faire ça. C'est ça, il peut faire. Non, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Je trouve que Julien Drey a raison de faire ça. C'est une bonne manière de rentrer en contact avec les gens. Moi, je me suis intéressé aux questions qu'il pose, parce qu'il y a le blog, mais il y a un questionnaire aussi qu'on peut trouver sur son blog. Alors, je me suis dit que j'allais lui poser les questions qu'il pose aux jeunes. Donc, il y a une série de questions, et donc vous pouvez répondre par tout à fait possible, plutôt exclu ou tout à fait exclu. Je devine les questions. Alors, vous faire poser un piercing ? Non. Donc tout à fait exclu. Consommer un produit interdit ou dangereux comme du hashish ? Non, moi j'ai jamais consommé, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui consomment. Vos enfants ? Mes enfants, j'espère pas, mais bon. Alors, consommer... Mais je peux pas m'en assurer, puisque je fais partie de ces parents qui pensent que leurs enfants ne fument pas et qui découvrent des fois un jour que les choses sont faites. Alors, consommer un produit interdit ou dangereux comme de l'ecstasy ? Oui, on a distingué dans le questionnaire l'ecstasy de ce qu'on appelle le cannabis, parce que les choses n'étaient pas pareilles pour nous. D'accord. Changer souvent de petit ami ? Oui, ça fait partie de la vie quotidienne, ça. Ah bon ? Tous les jours ? Ça, c'est plutôt possible, alors, d'accord ? Ne plus... Non, ça, c'est un oui affirmatif, c'est pas plutôt possible, hein, c'est radical. Ne plus regarder la télévision ?
Oui, ça arrive. Oui, parce que ce qui est intéressant dans la discussion sur les blogs, j'ai découvert, y compris cela, en regardant mes propres enfants, ça m'a révélé ça, c'est qu'il y a aujourd'hui un univers qui est en train de se constituer au travers de l'univers des blogueurs qui se détache de la télévision. Dernière question pour vous, après ça, il y en a une pour Stevie. Ne pas avoir de téléphone portable. Ça, c'est très dur pour moi. D'accord. Alors, la dernière pour Stevie, elle est très simple. Non, mais attends, je suis vachement étonnée, parce qu'avant l'émission, tu dis, moi, je connais bien Julien Drey, et tu lui demandes s'il aime le piercing, les portables, machin. Alors, les vraies questions, excuse-moi. Attends, j'ai une question. Devenir ministre, exclu ou. Ou possible ou Tout est possible dans la vie. Dîner avec Jospin. Non, la question c'est dîner avec Jospin, candidat à la présidence. Encore oui. Mieux. Merci. Allez. Mais qu'est-ce que je comprends pas quelle est votre question. Non, une question tout à fait sur le web. Il revient Jospin ou pas? Non, voilà. Non mais c'est vrai parce qu'il a des questions faciles. Est-ce que hein. La question pour Stevie, c'est la ça. La question pour Stevie, c'est une question qui intéresse des millions de Français. Elle est notée là. Alors voilà, êtes-vous un homme ou une femme? Et vous êtes fiers de ça. Un peu des deux. Voilà. C'est vous qui tout à l'heure vouliez pas qu'on vous caresse les cheveux. Voilà. Et voilà ce que vous sortez maintenant. Ah ben, bravo. Non, bravo. Non, pas du tout. C'était pour vérifier le niveau de citoyenneté de notre public. Je vous remercie. Pas du tout. Ah. Sophie. Ça me paraît intéressant dans ce style de tribune, parce qu'effectivement, si c'est vrai, si vous répondez à des questions que les citoyens se posent et qu'ils ne peuvent pas vous poser lors d'un forum, c'est intéressant. Mais pour le commun des mortels, comme cet imbécile de Pocrin qui pose des questions idiotes, des questions qui sont des questions de demeurer, est-ce que tu fumes, est-ce que tu mets le doigt dans le nez, ce qui est votre cas en ce moment, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a un questionnaire que nous faisons, nous, la région Île-de-France, qui cherche à tracer un peu le profil du jeune francilien. Qui est fermé, on va dire. Qui est fermé. Distribué, qui est un questionnaire écrit que j'ai là. Et en même temps, autour de ce questionnaire, parce que c'est ça qui nous intéressait, nous avons noué un dialogue. Donc on a fait des réunions dans les lycées, dans les quartiers, et on a ouvert ce blog. Et sur le blog, ce n'est pas le questionnaire qui est là. Sur le blog, c'est un ensemble de thèmes de débat qui sont mis aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, on a mis une photo avec un garçon et une fille. On a dit, en ce moment, les filles se plaignent beaucoup du comportement des garçons. Et donc, d'ailleurs, les filles ont pris la parole et se sont plaintes des comportements des garçons, notamment dans les cités, du sexisme montant. Et finalement, le blog, c'est aussi fait pour que les internautes vous connaissent, vous, Julien Drey, un peu mieux aussi, connaissent mieux vos avis, vos positions, votre personnalité. Et elle, Perry, elle s'est intéressée à vos photos, la revue de presse en images, on va dire, l'image médiatique de Julien Drey. On m'a dit que vous veniez et je me suis dit, tiens, ça doit être tout d'abord, je ne savais pas trop, je me suis dit, ça doit être le fils de Denise Grey. Et là, je vais sur Internet et je me dis, ça doit être son fils, il est très jeune, enfin à peu près jeune, mais surtout, il doit être important ce mec-là parce qu'il est assis à côté de gens très connus. Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy. Évidemment. Mais je me dis quand même, faute de goût, parce que franchement, vous êtes assis à côté du mec qui est la référence en matière d'élégance. La petite manche blanche qui sort de la veste. Là, je vois que vous êtes effondré au fond de votre siège et en plus sans chemise. Mais qui je ne mets sort. Jamais de chemise à manches longues. Alors justement, je me suis dit, mais quand même, c'est quand même bizarre ce type qui est effondré comme ça, assis à côté de ces gens-là, très chic et tout, et lui, pas du tout. Et j'ai été chercher un petit peu et là, je me suis rendu compte que vous étiez coutumier du fait, effectivement. Là, je vous vois une fois de plus. Sans manche qui dépasse, et en plus vous le jurez, vous dites, jurez craché, je ne mettrai jamais de chemise qui dépasse. On vous voit sur des plateaux télé, là par exemple, à côté de monsieur qui a une petite truc super élégante. Monsieur Fabius, je vous rappelle oui. Son nom, oui. Non mais bien sûr, à côté de monsieur Fabius. Madame Fabius. À côté de monsieur Fabius, d'ailleurs même s'il a perdu une manche il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui vous le trouvez. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le prouvez encore, vous êtes venu sur un plateau télé sans machin. Bon, et puis ensuite, même sur les photos posées, vous n'êtes jamais avec votre truc. Je me suis dit, quand même, il y a un mystère. C'est pas normal, ce type-là, il a... Bon, et en fait, il s'avère que vous achetez que des chemises à manches courtes. Des chemisées. Alors, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Et puis, j'ai cherché. Et puis, je me suis rendu compte que même... Quand vous rendez êtes... compte, Emmanueli était encore vivant. Et même quand, par erreur... même quand, par erreur, vous vous retrouvez avec un truc manche longue, vous remontez les manches, quoi qu'il arrive, et bien haut, hein, surtout. Et donc là, je pense qu'il y a faute de goût. Il y a un problème. Vous avez vraiment, définitivement, un problème d'élégance. D'ailleurs, ça se voit, regardez le mouchoir que vous trimballez. On dirait plutôt une nappe de table. Je ne sais pas ce que vous faites avec ce truc-là.
Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? C'est un mouchoir. C'est un mouchoir. Sérieux? J'ai toujours mon mouchoir. Ah, il est mieux celui-là. Ça, alors c'est drôle, moi aussi, quand je suis arrivé à Paris, on s'est moqué de moi. Alors bon, voilà, je me suis mis comme tout le monde, connement, en mouchoir en papier. Mais moi aussi, j'avais mes petits mouchoirs et tout le monde trouvait ça ridicule. Non, mais un petit mouchoir, oui, mais pas un torchon énorme comme ça. Vous savez quoi? J'ai vraiment cru, je vous assure, en regardant les photos, je me suis dit, il devait être en train d'essuyer un truc qui était devant lui ou un truc comme ça. Et ça lui est resté dans la main et ils ont fait la photo à ce moment-là. Et parce qu'en politique, parfois, il faut savoir mettre son mouchoir dans sa poche. Oui, mais celui-là, tu peux pas l'enlever. Donc, tout cela étant dit, alors bon, ça n'aura échappé à personne, cette photo a été prise à l'Assemblée nationale. Ah, hein, n'est-ce pas, Pierre, tu vois? Et puis, je me suis dit que à l'Assemblée nationale, vous deviez être en ce moment en train de vous gratter la tête pour savoir comment vous alliez faire pour faire passer les éléphants qui vous entourent au premier plan pour les prochaines élections. Et apparemment, ça ne doit pas vous réussir tous les matins, ça doit vraiment vous emmerder ce que vous faites. Le job vous emmerde sérieusement. Alors, faut se réveiller. Ah, il y a un moment où... Hein, je vous voyais, j'avais compris, je vous voyais arriver. Voilà, et ce que je vous propose, on a fini, hein. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour après, acheter des chemises, parce que c'est pas possible, le look comme ça. Il y a souvent les médecins qui n'ont pas de manches comme ça, parce qu'ils se lavent souvent les mains, etc., etc. Et je crois que vous avez gardé ce désir-là au fond de vous-même, hein, d'être médecin. Ah, peut-être, je n'avais pas réfléchi à ça. Voilà, j'aurais appris quelque chose. Est-ce qu'on le donne? On peut le donner, votre blog, pour revenir à ça? Oui, oui. Il faut faire ildefrance.skyblog.com. Voilà, hein, ildefrance.skyblog.com pour parler avec Julien Drey. Voilà. OK, bah voilà, on va le faire, on va essayer ce soir. Restez avec nous, voici Jérôme Bonaldi. Julien Drey, d'un seul coup, vous êtes entouré de tas d'objets. Bravo! Vous nous parliez des sièges, des sacs plastiques tout à l'heure. Moi, je vous parlais des sièges, c'est à peu près le même problème. Il est très léger, très solide, asseyez-vous. Vous savez le problème des sièges de bureau? Il est en orange, il existe en vert, en bleu, en rouge. Allez-y, allez-y. Il s'adapte. Allez-y, non, vrai, vous avez... mais celui-là, il est bien, il est mieux. Il est mieux, parce qu'il s'adapte automatiquement à votre morphologie. Voilà. Si vous travaillez un peu penché en avant, hop, ça vous fait les lombaires. Vous travaillez bien droit, ça vous fait tout le dos. Vous vous mettez en position relax, cool, voilà, ça s'adapte. Le problème des sièges, c'est que un jour c'est vous, l'autre jour c'est moi, on ne peut pas le régler tout le temps. Là, en fonction de mon poids, il s'adapte à qui je suis. C'est bien, mais il a un truc en plus. Il est écolo. Comment est-ce qu'on fait pour être écolo? Ah, ça, c'est pour vous. Là, ça va lui plaire aussi. Dès le départ, il a été fait avec des matériaux qui sont écologiquement potables, si vous voulez. En gros, il y a très peu de choses. Il y a de l'acier recyclé en général, du polyester recyclé, ça c'est du vieux sac plastoc, de l'alu recyclé et du zinc. D'accord? Il est garanti 15 ans. 15 ans, ça veut dire que c'est durable, ça veut dire qu'on ne va pas en acheter d'autres. Ça aussi, c'est écolo. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 15 ans? Eh bien, au bout de 15 ans, dans 15 ans, il sera recyclable, mais attention, facilement recyclable. Parce qu'il y a des bagnoles qu'on dit qu'elles sont recyclables, tu parles. Il faut tellement de main d'œuvre pour mettre les pièces de chaque côté que ça coûte deux fois le prix de la bagnole neuve. Là, en moins de 5 minutes, dans 15 ans, il y a un type avec un outil ordinaire, de ça, il fait ça. Voilà le siège entièrement démonté. Ça s'appelle de l'éco-conception, c'est-à-dire que les types qui ont pensé à ça, dès le départ, ont pensé, voulu, conçu le produit du début du cycle de vie jusqu'à la fin. Pour que ce soit de l'éco-conception, il faut aussi que le coût, enfin que le transport soit, qu'il n'y ait pas trop d'emballage, tout ça et tout. Est-ce que c'est... excellente question, oui. Même pour ça, ils y ont pensé. C'est-à-dire qu'ils se replient pendant le transport, ça veut dire que ça fait moins de carton, ça prend moins de place dans le camion, ça fait moins de camion, moins de fuel et moins de route. Mais je ne comprends pas très bien ce que ça a de très très nouveau, ton truc, puisque tu vas dans certains grands magasins actuellement et depuis des années, tu trouves des fauteuils très similaires que tu achètes en pièces détachées. Ça s'appelle un meuble en kit, ça. Exactement. Oui, mais c'est pas ça. Parce que je veux dire que si tu dis à Julien Drey qu'il peut garder son siège de député 15 ans, il va le prendre tout de suite. Bien, Stéphane. C'est dommage que Noël soit passé. Je vais vous offrir un microscope. Le microscope, c'est vachement bien parce qu'on voit... Oh, regarde comme c'est beau. Le problème du microscope, c'est... Regarde. Attends, pousse-toi, fais voir. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas regarder ensemble. On ne peut pas regarder à deux. Bah oui. Heureusement est arrivé le microscope sur lequel je branche une webcam. D'un seul coup, pof, ce que vous voyez là, chacun à votre tour, vous le voyez sur l'écran. Regardez. On va le voir. Regardez. Bah, voilà. Vous voyez, oh, c'est passionnant. Bah attends, une aile de papillon.
Ah bah regarde, oui. Maman, une aile de papillon, oh, j'ai vu. Regarde, un petit insecte. Enfin, on peut le voir à deux. Oui. Bon. Alors, attendez. Non. Je vous trouve méchant avec notre bon Jérôme qui, deux fois par semaine, nous trouve des trucs qu'on n'aurait pas imaginés. Non, mais j'ai... Le microscope, c'est formidable, mais son fauteuil, il peut s'asseoir dessus. Sophie. J'ai quelque chose pour vous. Le microscope, c'est pas votre truc, le télescope peut-être. Ah. Et le télescope, c'est alors, le même pour problème. Pour regarder dans les étoiles. Oh, les anneaux de Saturne. Regarde les anneaux de Saturne. Pousse-toi que je vois les anneaux de Saturne. Regarde les anneaux de Saturne. Pousse-toi que je vois les. Voilà. La même chose. Alors. Petite caméra ici. Et hop, je vois. Nous regardons ensemble les anneaux de Saturne. En... Mieux et que ça. Et on fait la soirée là-dessus. Ah, c'est sur l'écran aussi. C'est sur l'écran de la télé. Je suis très déçu. Tout à l'heure, vous l'avez installé, vous l'avez montré. Vous m'avez dit, on peut regarder à plusieurs. Et je croyais que quelqu'un regardait là, quelqu'un d'autre là, puis quelqu'un d'autre là. Et qu'en plus, ça rapproche à tout le monde. Non, non, c'est pas ça. Oh, mais non, c'est parce que là. Cela dit, essaye. Si on peut. Mais non, lui, celui du dessus, il va se cogner la tête. Alors, c'est, autant vous dire la vérité, c'est pas un super télescope. Hein. Ça grossit 15 fois, 20 fois, 25 fois, 30 fois. C'est pas suffisant pour voir les anneaux de Saturne. Mais, pour voir la salle de bain du voisin de l'immeuble d'en face, c'est top classe. Si on laisse ça sur le balcon, là, la voisine d'en face, elle se doute pas en voyant un truc comme ça. Elle se doute pas que c'est pour la regarder. Elle dit, oh là là, il fait ça, c'est quoi, ça? Un dernier truc. Voilà, c'était juste, je voulais vous présenter ça parce que non, ça permet... Fini. Oui, oui, ça permet de faire un peu de science quand même à plusieurs et de partager ses joies scientifiques. Mais évidemment, côté méprisant de faire un peu de science quand même, on en fait plus que tu ne penses. Ça veut avoir... On peut partager des joies scientifiques, oui. Sophie. Mais moi, je les partage depuis longtemps, là. Pierre, votre main. Je partage... les joies scientifiques. Non, mais enfin... Nous ne faisons que des sciences naturelles, hein. Allez, on remercie, on applaudit Jérôme Bonaldi. C'est l'heure du Qui a déconné. Peut-être connaissez-vous notre classement qu'on a redémarré donc lundi dernier. Il a 300 points quand même déjà, Giscard, c'est pas mal. Il est suivi par Jacques Chirac, 250. Georges Bush est 3e, Silvio Berlusconi, 4e. Le gardien de but de Nantes, Michael Landreau, est 5e. Nous avons Dominique de Villepin en 6e position, Britney Spears en 7, Catherine Deneuve en 8 et Vicente Lizarazu en 9. Et oh surprise, le premier nom que je vous propose est celui de Perry Cochin. Pourquoi Perry Cochin? Parce qu'elle pose cette semaine dans le gala avec ses enfants. Alors on la voit chez elle, c'est chez elle, il y a une autre photo, on peut voir la deuxième photo. Voilà, c'est toujours chez elle avec ses enfants. Et encore une troisième photo, voilà. Quand même, vous auriez pu installer des sanitaires à la maison, Perry. Est-ce que c'est une connerie? À 0, 10, 20 ou 30 points, Sophie. Moi, je mets 0 points parce que le tout Paris a déjà été reçu chez elle. Si le tout province peut en profiter un petit peu, c'est pas si mal. Stéphane. Moi, je mets 30 points parce que qui aime bien châtie bien. Mais c'est mignon. Annie. 30 points parce qu'il y a une énorme faute de goût. Tu n'as pas montré ton mari, qui est pourtant charmant. Il n'était pas là le jour des photos. Moi, j'aurais bien voulu. Moi. T'es avec une autre, on le verra dans Voici la semaine prochaine. Stevie. 0. Pourquoi? Parce que moi aussi, ça m'est arrivé d'être en photo chez moi dans des magazines. Justement, voilà. Ouais. Vous... Alors, c'est pourquoi je mets 30 points, parce que je trouve ça le comble du ridicule. Attends, j'ai rien à cela cacher. Dit, je mets quand même 0 points. Ah. Parce que c'est ma voisine et ma collègue de travail. Donc, je l'aime bien, voilà. Perry, vous pouvez voter pour vous. Je ne sais pas, franchement. J'ai fait 10, parce mets-toi 10. Je me mets 10, d'accord, je me mets 10. Allez. Pas mais... totalement, mais pas complètement. Bon, allez, 10 points. Voilà. Julien Drey, vous pouvez vous venger. Vous mettez combien, Perry Cochin? Moi, je mets 0, je ne juge pas les gens. Voilà. Ah bah, attends. Très bien, mais... 0 points pour Julien Drey, ça fait un total pour Perry Cochin de combien? 70 points! Massimo Gardia a déclaré « Je veux un enfant à moi, je ne veux pas que ma progéniture ait les défauts d'un autre ». Ça, quand même, c'est assez incroyable comme phrase. Moi, je trouve que c'est assez drôle parce qu'il vaudrait peut-être mieux que sa progéniture ait les défauts d'un autre. 20 points, Pierre Benichou. Moi, je mets 30 points. Oui. Parce que je mets toujours 30 points. Sophie. Je mets 30 parce qu'il n'y a pas plus.
Stéphane. Moi, je mets 0 points parce que je trouve que c'est le plus beau mot d'esprit de 2005. C'est pas si mal, c'est vrai. Annie Lemoine. 10 points parce que c'est de l'inconscience, il n'a pas trouvé une femme encore. Stevie. 20 points. Pourquoi? Pour son audace. Oh. Bah non, alors il faudrait lui donner moins. Pour toutes les conneries qu'il a fait à côté, 20. Bon, alors c'est pareil pour Massimo Gardia, vous Encore que cette phrase est particulièrement stupide, mais bon. Ah, alors peut-être allez, 10 points, vous donnez 10 points. Bon, si vous voulez. Allez, ouais. C'est pour vous, hein. Vous jugez ou vous ne jugez pas? Ils sont vraiment devenus feignants au PS, il faut leur porter les panneaux maintenant. Hein. C'est quand même c'est quelque chose. Hein. Ça fait un total pour Massimo Gardia de 120 points. Il passe sixième. Julien Drey, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que nos téléspectateurs auront bien compris ce qu'est un blog. À lundi, bye bye, bon week-end.